Salam alaikum Azoul, bonsoir. En Algérie, la chute brutale des cours des hydrocarbures, la seule vraie richesse du pays, il faut le savoir, il ne faut pas l'oublier, est donc en train de provoquer un malaise social massif qui s'étend de plus en plus et à tous les secteurs d'activité, à toutes les catégories socio-professionnelles, jusqu'à celles qui étaient jusque-là très proches du régime, voire même son principal rempart. Envoler les prévisions optimistes qui donnaient un répit, un sursis de plusieurs années au régime et qui estimaient que tant que les réserves de change n'étaient pas totalement épuisé, celui-ci trouverait toujours moyen d'entretenir ses précarés, ses clientèles et surtout ses troupes. Ce n'est pas pour rien que jusque-là, les éléments de l'armée et tous les services de sécurité, y compris les forces auxiliaires, étaient rémunérés à un niveau bien plus élevé que celui des autres secteurs, y compris les autres secteurs les plus stratégiques, économiquement parlant. Cela allait de soi et relevait d'une logique somme toute très primaire, à la limite. Si le salaire d'un policier ou d'un gendarme était souvent supérieur à celui d'un enseignant universitaire, ce n'était certainement pas pour des considérations de risque ou de dangerosité. Ces salaires et ces traitements privilégiés relevaient de logiques autrement plus sommaires. Il fallait entretenir les éléments qui pourraient être appelés à défendre le régime contre toute forme de contestation populaire. Et comme tout régime prédateur, primaire, qui ne peut reposer que sur la force brutale et la corruption de masse, le pouvoir algérien a réussi non pas seulement à agglomérer autour de lui de très nombreuses catégories sociales dont il a réussi à faire ses alliés naturels, celles qu'il tient par le ciment de la rente et de la mauvaise conscience partagée, mais aussi et surtout à corrompre directement par des salaires et des privilèges relativement exorbitants des organisations de masse dont il avait fait ses remparts et des forces armées dont il pensait pouvoir en faire ses mercenaires. Et pour les couper de façon tranchée et irrémédiable, irréconciliable du gros de la société, il a su, à travers son fameux terrorisme pédagogique, provoquer un profond clivage idéologique entre les populations. Une violence inouïe, un fleuve de sang et de larmes, une tragédie massive dont personne ne pouvait se considérer en dehors d'elle et où chacun devait s'impliquer l'un contre l'autre. Mais cela ne pouvait marcher que tant que l'argent des hydrocarbures coulait à flot. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et malgré les budgets exorbitants qui continuent à être alloués à l'armée et aux services de sécurité, il n'est plus possible de continuer à arroser tout le monde de la même manière. Le régime a dû réduire la voilure, élaguer les branches mortes. Et cela a tout naturellement commencé par jeter ceux qui ne servent plus, ceux qui ne peuvent plus servir, les retraités, les rappelés, les réformés pour raison d'invalidité, ceux qui ont perdu un bras, une jambe. Tout cela, groupe dit de légitime défense, dont le régime n'a plus besoin, puisqu'il a lui-même débandé ses troupes, ses groupes islamiques armés, cela qu'il avait lui-même créé puis lâché contre les populations civiles. Et il le faut bien
comprendre que le régime ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Il n'est pas en train de lâcher ces gens qui lui ont été tellement utiles comme ça, par rigueur budgétaire. Il le fait contraint et la peur au ventre, parce qu'il sait que ces gens-là se comptent par centaines de milliers, qu'ils sont en train de s'organiser et qu'ils peuvent s'organiser, comme ce fut le cas cette semaine. Qu'ils vont découvrir qu'ils ont été utilisés puis jetés comme un citron qu'on presse et dont on n'a plus besoin. Mais le régime n'a plus le choix. Et il va entrer de plus en plus brutalement dans ces logiques d'austérité à dimension réglable, en se délestant des plus faibles, de ceux qui ne peuvent plus le servir. Il n'a plus le choix. Ou plutôt, le temps est venu pour lui de faire des choix, de consacrer le peu de fonds qu'il peut encore mobiliser pour arroser les cercles les plus importants, les plus vitaux pour lui et qui vont eux aussi se réduire en peau de chagrin. Ceux qui vont continuer à être arrosés le seront beaucoup moins qu'ils ne l'étaient il n'y a pas très longtemps. Fini la grande Zerda. C'est bien pour cela qu'il ne faut pas en douter que les premiers milieux, les premières catégories socio-professionnelles qui sortiront dans la rue seront ceux-là et celles-là qui étaient les alliés naturels du régime. Et cela ira du militaire qu'on jette après usage jusqu'à l'importateur qui se sucrait par cooptation ou par clientélisme. Aujourd'hui, Havpost Maghreb, Alger bloqué, la manifestation des retraités de l'AMP avortée par la rédaction. Le 360, Algérie, une marche des retraités de l'armée violemment réprimée par le 360. TSA, la marche des retraités de l'AMP bloque la circulation dans la capitale et à Boumerdès par Adjer Gnenfa. Algérie, les mouvements sociaux se compliquent. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Avec moi pour en parler, Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Merci Saïd d'être avec nous. Merci Jamal de m'avoir invité. Au téléphone, nous aurons Aboud Hicham, journaliste et écrivain algérien. Merci Aboud Hicham d'être avec nous. Pas encore. Et Amira Bouraoui, médecin et militante pour la démocratie. Merci Amira d'être avec nous. Alors, nous venons de la perdre et nous aurons donc avec nous Mourad Ta'amallah, représentant de l'Organisation nationale pour la défense des droits des patriotes, ONDDP, qui est avec nous donc et que nous allons commencer par recevoir en premier. Si Mourad Ta'amallah, merci d'être avec nous. Mourad Ta'amallah. Mourad Ta'amallah. ماذا بك سي مراد اذا تقدر نقص التلفزيون باش نسمعوك. مراد Ta'amallah. Alors Amira Bouraoui est avec nous. Amira. Allô. Amira Bouraoui. Bonsoir, monsieur Jamaldine. Bonsoir. Bonsoir, Amira. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous. Alors, donc, il y a eu une marche assez impressionnante des retraités de l'armée avec eux, des groupes d'ex-GLD, d'invalides de guerre, de mutilés de guerre. Des gens qui ont perdu des bras, des jambes, qui sont paralysés. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça, puisque ces mouvements commencent à vraiment compliquer le malaise social qui règne un peu partout dans le pays ces derniers temps?
Oui, Monsieur Djemaldine, on a vu ça. Malheureusement, c'est pas tous les médias algériens qui en ont parlé, mais très très peu, hein, comme le Watan, le Khabar, le Fajr. Pas beaucoup de médias n'ont osé en parler, alors qu'il y avait quand même des milliers de personnes. C'est vrai qu'il y a un malaise social. Hein, il n'y a pas uniquement dans cette corporation-là, mais dans toutes les corporations. Et ces gens-là se sentent doublement, triplement. C'est-à-dire, ils se sentent. On a fait en sorte de faire que ces gens-là deviennent, qui sont des victimes, deviennent ceux qu'on pointe du doigt et ceux qui ont fait du mal au pays ou je ne sais quoi. Moi, j'ai mes souvenirs de l'époque, de jeunes, ils avaient 20 ans, hein, aujourd'hui ça doit être des quadras et plus, mais à l'époque c'était de jeunes enfants qui luttaient contre le terrorisme, qui étaient dans les maquis, qui étaient partout et qu'on recevait à l'hôpital, parce que moi j'ai fait mes études, certains stages à Ain Najah, ils étaient en traumato, on les recevait sans jambes parce que peut-être qu'il allait bomba, parce qu'il a été attaqué par des terroristes. Ces soldats-là, qui ont perdu des membres, et ça sans parler de tous ceux qui ont été assassinés et dont on ne parle pas, parce qu'on voudrait que la grande muette reste muette. Mais la grande muette, dans ses rangs, et même si elle est critiquable au sommet, il se trouve qu'à la base, il y a tous ces milliers de personnes qui ont résisté face au terrorisme. Vous avez raison de dire que c'était une guerre contre le terrorisme. Donc ces gens-là, c'est les oubliés de la République. Alors qu'ailleurs, il suffit qu'il y ait une seule victime, qu'il suffit qu'il y ait un seul soldat. Et on a le président de la République et la remise des médailles et les familles qu'on entoure, etc., etc. Ceux-là, on les a complètement oubliés et on a fait en sorte d'indemniser d'autres, d'en faire des richards. Et ceux-là, c'était les ennemis de la République. Par contre, ceux-là, on les a oubliés. Et aujourd'hui, on a une République qui va dans tous les sens. Il n'y a plus de décideurs. Même si avant, les décideurs n'étaient jamais les bons. L'Algérie de la méritocratie n'a jamais vu le jour. Et c'est pour ça qu'on en est là, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont complètement ignorés et on ressent le sentiment d'injustice qu'ils ressentent. Parce que quelqu'un qui est amputé ne peut plus travailler, parce qu'il a souvent une famille à charge, parce qu'il est dans une situation économique catastrophique. Et il n'y a pas que, bien évidemment. Et nous allons leur demander ce qu'ils demandent au juste, quelles sont leurs revendications. Mourad Ta'amallah est avec nous. Mourad Ta'amallah, ahlan bik. تقدر تكلم بالعربيه ولا بالفرنسيه كيما تحب. اهلا بك، مرحبا بك سي مراد. مساء الخير سي جمال. مساء النور مراد. تعامله بارك الله فيك. تحيه لكم وجميع عمال المغاربيه والاخت اميره بوراوي والاخ سعيد كنين وعبود هشام. بارك الله فيك. بارك الله فيك مراد. تعامله ماذا بك اولا فهمنا ما هي هذه المسيره وما هما طلبات نتاعكم يعني. والله سي جمال نحن تفضل اسمعوا بك. والله سي جمال احنا رانا ندعم المطالب نتاع الاخوه متقاعدي الجيش. احنا رانا في المنظمه الوطنيه للدفاع عن حقوق المقاومين. ندعم اخواننا في الجيش الوطني الشعبي على المسيره هذه. هذه الناس راهي فئه استعملت لمدة العشرية السوداء. يعني هم يشوا أقصيوا من جميع يعني جميع الميادين. يعني هذه البيئة اللي وقفت على البلاد مدة 20 سنة، والآن إن شاء الله نشوفوا الحكومة ضربت بعرض الحائط كل مطالب هذه البيئات. هذه البيئة اللي يعني اللي وقفت الجمهورية وقت الناس اللي كانوا وراء البحر. يعني كانوا الناس هذم الحكام اللي رانا نشوفوا فيهم ضرب كانوا وراء البحر، ما كانوش على بالهم بالبلاد. وحنا كمقاومين دي باتريوت كنا جنبا الى جنب مع القوات الدفاع المشتركه، ولكن اليوم رانا حطونا في يعني ضربوا بنا عرض الحائط، ولا واحد راهو سمع للمطالب نتاعنا وسمع للمطالب الاجتماعيه. وما هما يعني ما هما بالضبط المطالب نتاعكم؟ المطالب نتاعنا هما سي جمال الاعتراف الرسمي بتضحيات هذه البيئه،
يعني الناس اللي راهم درك راهم قاوموا الارهاب وراك تشوف يعني من متقاعدين الجيش من حرس بلدي من لي باتريوت راك تشوف اليوم راه الناس مازال حامله سلاح وتدافع على الجمهوريه ولكن الحكومه يعني يندل جبين الناس هذه يعني اللي راهي راهي اليوم هذه الفئات كامل على مستوى الوطن احنا 116 الف مقاوم على مستوى الوطن يعني المطالب تاعنا ولا مطلب منفذ يعني على ارض الواقع وعندنا انت تعرف في جمال راه عندنا مرسوم رئاسي صادر على رئيس الجمهوريه يعني على الرئاسه في حق هذه الفئه مرسوم رقم 77 من الجريده الرسميه 2013 هذا المرسوم راه يقول كل من شارك مع قوات الدفاع المشتركه في مقاومه الارهاب والعصيان المدني راه في عنده حق التقاعد والامتيازات يعني والدوله ستصون كما قال رئيس الجمهوريه في الفيديو نتاعو في ثلاث مراحل من الحمله الانتخابيه نتاعو يقول للناس هذوما باللي الجمهوريه ستصون حقوقكم مثل ما صانت الثوره التحريريه حقوق المجاهدين بالامس واليوم هذا الكلام كامل هذا الكلام كامل رانا ما حناش نشوفوا فيه على ارض الواقع يعني والله العظيم يا سي جمال اليوم هذه الفئه لو احنا زرنا المتاجر والقرى ومشينا في يعني حالات اجتماعيه ينده لها الجبين اليوم واش نقولوا للحكومه هذه احنا راهو صادر في حقنا مراسيم رئاسيه والقاضي الاول في البلاد راهو اصدر الامور هذه ولكن اليوم احنا رانا ما احناش شايفين حتى شيء على الحكومه تفعيل وتطبيق هذا المرسوم الصادر في حق هذه الفئات والا اذا حبوا لان الامور اليوم راهي في احتقان سي جمال راهي تحتقن الامور بارك الله فيك كاين احتقان كبير شكرا مراد تعم الله شكرا عن ومع نخليوك وبارك الله فيك وارجع كما تحب ان شاء الله مره اخرى معنا هشام عبود هشام عبود ميرسي دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون مرحبا بك هشام هشام عبود اسكو هشام ايت افيك نو سيل فو بلي هشام عبود اي سامبل كيل يي ان بيتي سوسي الوغ سعيد كنين Voilà, Mourad Tamallah vient d'intervenir. Il dit que les gens, les retraités de l'armée et surtout les GLD ont donc défendu la République, selon lui, et qu'il semble dire qu'ils ont été utilisés autant que cela était nécessaire, et puis que maintenant qu'ils ne servent plus à rien, on les aurait un peu jetés sur le bas-côté de la route. Je ne dirais pas plus qu'il en a dit, bien que. Moi, en termes sémantiques, on a toujours parlé de milice, c'est-à-dire un corps constitué de l'armée au profit du commandement de l'armée. Quand je parle de l'armée, je ne parle pas des enfants du peuple, je parle du commandement militaire. Ce qu'on voit, ce que j'ai vu à la télé, lors de la manif, un manchot, un qui a perdu l'œil, un autre qui a perdu la jambe, c'est une tragédie que chaque Algérien doit vivre dans son corps. Maintenant, les raisons, le pourquoi, du comment, nous en savons tous aujourd'hui, qui a créé l'hydre et qui a fait l'Hercule, qui a fait verser un fleuve de sang et qui l'a payé. Le seul qui a payé, ce sont les enfants du peuple. Et aujourd'hui, on leur impose le silence face à leur misère. En 2003, en 2013, il y avait un décret présidentiel de la valorisation des retraites des militaires à 25 000 dinars, me semble-t-il. J'ai vécu avec des jeunes qui ont été rappelés. On leur a imposé à ce qu'ils soient rappelés. L'un a perdu sa jambe, l'autre, aujourd'hui, il a des stigmates non visibles, il est devenu fou. Qu'est-ce que lui réserve la République si on ose
utilisé ce mot. Elle lui réserve absolument rien, mis à part 6 000 dinars par mois. 6 000 dinars par mois. Qu'est-ce que, aujourd'hui, réserve la République à tous les Algériens? Pas simplement une corporation ou une autre. Bien que ceux-là, ils se sont servis d'eux. On leur a fait croire à un certain moment qu'ils défendaient la République. Et d'ailleurs, je ne remets pas en question le sentiment de mon prédécesseur en disant « moi, je défendais la République ». Le problème, c'est ceux, à un certain moment, qui les ont manipulés, on leur a fait miroiter que réellement, ils défendaient l'Algérie alors qu'ils défendaient simplement un groupuscule qui était là, qui a créé justement le terrorisme. Et le jour où ils ont décidé d'en finir, ils en ont fini avec. Et le jour où ils vont vouloir encore le réactiver, ils vont le réactiver. Aujourd'hui, cette marche est le prélude à d'autres, pas simplement celle-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte économique explosif. Le contexte économique, c'est que l'année précédente, l'Algérie a engrangé 29 milliards de dollars d'exportation en hydrocarbures. Cette année, elle va engranger 22 milliards. Et à l'avenir, cette rente va se contracter de plus en plus. Et tous ceux, à un certain moment, avec malice ceux qui gouvernent, ils ont utilisé ces moyens pour pouvoir taire la contestation sociale, pour pouvoir acheter des clientèles, pour pouvoir utiliser ça comme soupape de sécurité afin de se pérenniser dans le pouvoir. Ils n'auront plus les moyens d'acheter les uns et les autres. Nous allons recevoir Aboud Hicham. Merci d'être avec nous. Hicham. Oui, bonjour Jamel, bonjour amis téléspectateurs de Maghribia. Merci Aboud Hicham. Alors Hicham, quelle est votre lecture sur ces mouvements sociaux qui se généralisent, qui se durcissent, qui se généralisent aussi à toutes les catégories sociales et notamment celle qui vient de se produire, celle des anciens, des retraités de l'armée, des invalides, des mutilés de guerre, des GLD? Oui, d'abord, il ne faut pas mélanger les GLD et les militaires. Hein. Les GLD sont des groupes de légitime défense, des civils qui sont constitués en mouvement. Donc, les militaires ont un statut spécial. Deuxièmement, il ne faudrait pas politiser les mots sociaux, les contestations sociales. Il faudrait les laisser dans leur contexte. Parce que ce qui arrive aujourd'hui est très, très grave. C'est la première fois que des militaires retraités sortent manifester dans la rue. Je dis la première fois dans le monde, dans l'histoire du monde. Dans aucun pays, nous n'avons vu des militaires retraités sortir manifester pour réclamer quoi ? Leurs droits sociaux. C'est-à-dire, ils réclament le droit à une vie digne. Parce que ces gens qui sont sortis, ce sont des retraités. D'autres ont été mis d'office à la retraite au début des années 90 sous prétexte d'appartenance à un parti politique ou de sympathie plutôt, même pas d'appartenance, de sympathie au Front islamique de salut. Ils sont nombreux, que ce soit des genoux, des sous-officiers, des officiers qui ont été mis d'office à la retraite, et d'autres qui ont atteint l'âge de la retraite, et ce sont surtout des militaires qui appartiennent aux petites catégories. C'est-à-dire ce sont des junouts, de simples soldats, des caporaux, des caporaux-chefs ou des sous-officiers. Entre sergent et adjudant-chef, et même officier subalterne, c'est-à-dire sous-lieutenant, lieutenant, capitaine. C'est une catégorie qui est aujourd'hui dans une situation très compliquée. Imaginez-vous qu'un soldat, un jundi, touche une retraite de 17 000 dinars et d'autres 27 000 dinars. C'est-à-dire, que fait un père de famille avec 27 000 dinars? Je ne parle pas encore des blessés, des mutilés, je ne parle pas de seulement sur le plan social. Ces gens, donc, qui ont effectué, qui ont donné la fleur de leur âge à l'armée, se trouvent aujourd'hui dans une situation vraiment de précarité inattendue. Ils ne pouvaient pas s'attendre à vivre cette situation lorsqu'ils étaient dans l'armée. Et le problème qui se pose aujourd'hui,
c'est que le pouvoir porte atteinte à l'image de l'armée nationale populaire en poussant ses retraités à sortir manifester dans la rue pour réclamer leurs droits. C'est une atteinte à corps constitué commise mais par le pouvoir. Hichem, mais Aboud Hichem, oui. les droits à la retraite et les oui. pensions de retraite trop oui. insuffisantes, trop basses pour la plupart oui. des gens, c'est le cas de tout le monde, pas seulement absolument. Des militaires. Mais attendez, maintenant, si les autres se taisent, faut-il que les militaires se taisent? Vous voulez que tout le monde se taise? Non. S'il y a des militaires qui sortent malgré, ben que les autres sortent aussi. Que le retraité de son attraque sorte, que le retraité de son Elga sorte, que le retraité du ministère d'Hydraulique sorte. Vous voulez que tout le monde se taise? Eh bien, ces militaires sortent parce qu'ils vivent indignement, ils vivent dans la précarité. Que les autres les suivent. Aussi, il y a des retraités de la police qui sont dans la même situation. Eh bien, cela donne le là aux autres de suivre. Mais il ne faudrait pas dire, non, tout le monde est dans la précarité, il faut se taire. Non, ces gens sont sortis. D'autant plus que ces gens-là ont donné, se sont sacrifiés pour ce pays. Et puis, beaucoup d'entre eux se sont sacrifiés pour le régime en place, même pas pour le pays. Se sont sacrifiés pour le régime pendant les années de feu et de sang, pendant la guerre civile, qui a été manigancée par un cabinet noir, hein, et qui aujourd'hui se prélasse dans les salons, leurs enfants sont à l'étranger, et ils ont fait de leurs adversaires, de leurs ennemis d'hier, des héros et des personnalités nationales. Madame Mazarin, qui combattait ses militaires, est considérée comme personnalité nationale et jouit de tous les privilèges. L'Aïada, qui est un ancien terroriste, jouit de tous les privilèges et vit dans un autre monde que celui de ses militaires qui l'a combattu et dont nombre de leurs camarades ont été tués sur ordre de ce l'Aïada et de ce Madame Mazarin et des autres chefs terroristes, de tous les terroristes qui ont été réhabilités et qui ont touché un bon paquet hein, pour à titre d'indemnisation. Voilà. Restez avec nous, Aboud Hichem, je reviens à vous dans un moment. Amira Bouraoui, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Alors, Amira Bouraoui, Aboud Hichem vient de faire une nette distinction, pas discriminatoire du tout, mais il fait la distinction entre d'un côté les retraités de l'armée et les GLD dont vous parliez à un instant. D'après vous, est-ce qu'il faut faire cette distinction ou est-ce qu'il faut considérer ces gens de la même manière et avec eux tous les autres retraités, pas seulement les militaires et pas seulement les GLD? À mes yeux, ce sont des retraités. Ils sont à mes yeux, en tout cas, par rapport au fait, au service rendu à la République. Parce que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec certaines terminologies. Dire qu'ils ont été, parce que soit on parle, il faut qu'on se situe dans l'histoire. Je ne suis pas d'accord qu'on dise que ces gens-là ont été utilisés. Ces gens-là ont défendu la République contre le terrorisme. Ça, c'est un fait. Alors qu'il est 26 000 dinars ou 50 000, et j'espère que leurs problèmes vont être réglés, il reste Amira Bouraoui, des héros. Amira Bouraoui, une petite précision. Alors, lorsque le régime, aujourd'hui on en a la preuve, lorsque le régime crée les GIA, groupes islamistes armés, c'est lui qui les a créés, du moins un grand nombre de ces groupes islamistes armés, et qu'après il va chercher des gens... parmi les anciens moujahidines, parce que ça relève beaucoup de la guerre psychologique, qui va ramener ces gens pour combattre ce qu'il a créé lui-même. Comment on peut dire non, ces gens-là ont combattu le terrorisme et n'ont pas servi le régime? Pourquoi ne pas dire qu'ils ont été piégés, qu'à leur insu et de bonne foi, ils ont cru lutter contre le terrorisme alors qu'ils luttaient contre des groupes terroristes, pour la plupart créés par ce même régime? Monsieur Gemaldine, qui est des groupuscules qui ont été créés ou pas? Le terrorisme est un fait, on l'a vécu. On l'a vécu. On l'a vécu ici pendant plus d'une décennie. Et ces gens-là étaient, c'est-à-dire, c'est dommage parce qu'on n'a pas, l'histoire n'a pas été écrite, les témoignages n'ont pas été récoltés par rapport à tout ce qui a été vécu. Ces gens-là, ils ont fait face aux terroristes. Maintenant, si
on parle des erreurs politiques et de l'implication de l'armée qui ne devrait pas faire de politique, parce qu'un militaire ne peut pas, ne raisonne pas à la base comme un civil. Il est censé, sa philosophie, c'est d'obéir aux ordres uniquement. Donc un politique, il faut que ce soit un civil. Mais non, si on parle des erreurs commises, Je ne parle pas d'erreurs commises, ni de bavures. Je parle du terrorisme pédagogique. Le terrorisme a été pédagogique, il a été éducationnel, il a été mis dans les écoles, il est multifactoriel. Des Algériens sont partis en Afghanistan et sont revenus. Qui les a laissés revenir? Qui les a laissés organiser toutes ces cellules-là, etc., etc. Donc tout ça est un fait et ces gens-là ont combattu le terrorisme. Ils ont combattu le terrorisme et ils ont sauvé la République. Non, parce qu'on n'est pas encore dans la République de Platon, hein, on en est vraiment loin. Mais s'ils n'avaient pas fait ça, aujourd'hui, ça serait l'Afghanistan en Algérie et je ne pourrais même pas vous parler. Donc, je reconnais leur sacrifice et je ne veux pas qu'on dise ont été utilisés, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le militaire aujourd'hui qui est en train de m'entendre sur votre chaîne se dit je suis utilisé. Lui qui est au niveau des frontières en train de protéger mon pays pour que je sois encore en vie, que je puisse vous parler, lui, il est utilisé, il est en train de faire son devoir. Et j'espère qu'ils vont faire en sorte de régler ce problème des retraités-là pour que la psychologie justement du militaire aujourd'hui qui est en poste et qui est en train de défendre la nation ne se dise pas que moi aussi, la République ne reconnaîtra pas ce que j'ai pu donner et me sacrifier pour elle. Parce que moi je suis une républicaine et lorsqu'il y a des gens qui protègent la République et que ce sont des militaires ou des patriotes, à un moment T0, maintenant on peut remonter et dire pourquoi on a fait en sorte que le terrorisme existe, pourquoi on a laissé des gens s'amuser avec les misérables, leur promettre le paradis pour que finalement ils se retrouvent dans les maquis pensant défendre Dieu, etc. Il est multifactoriel. Pourquoi ce régime-là nous a entraînés au niveau de cette impasse-là pour pouvoir encore se maintenir, etc. Bien sûr qu'il y a de la manipulation partout, mais ces militaires-là ont défendu la République. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Saïd Aknin, j'ai vu que vous hochiez de la tête à un certain moment. Tu sais, je pense que le fait qu'on se poserait encore des questions autour de la République, autour de la sémantique à utiliser, parce que j'ai entendu que certaines littératures ne plaisaient pas. C'est-à-dire ? La littérature consistant à dire c'est des miliciens. Ouais. À un certain moment, il y avait une force de manipulation psychologique dans la société, allant jusqu'à transformer le mensonge en vérité et la vérité en mensonge, d'où justement la naissance du terrorisme pédagogique. Il y a deux éléments à ne pas occulter. D'abord, le cadre dans lequel tout ça est arrivé. C'était dans les années 90. Et ce n'est pas une guerre civile, c'était une guerre contre les civils. La deuxième des choses, c'est que à partir du moment qu'il n'y a pas vérité et justice, ce qu'on a vécu le 21 mai, c'était juste la conséquence d'un traumatisme profond dans la société et dans le pays. Et les conséquences, elles sont là. Non seulement il y a la précarité sociale, il y a la précarité psychologique, il y a la précarité, y compris historique, à partir du moment qu'on peut éventuellement discuter autour du rôle des uns et des autres. Et là, c'est une forme de précarité. Et l'origine de ça, c'est quoi? C'est l'illégitimité du pouvoir. Ça, c'est fondamental. Ceux qui tiennent le pouvoir sont illégitimes et les groupes islamiques de l'armée, c'est-à-dire ceux qui ont été créés, heureusement aujourd'hui, on peut parler librement, parce qu'il y a un corpus de témoignages, il y a des hommes et des femmes d'honneur qui ont bravé l'interdit, qui n'ont pas à rougir aujourd'hui d'avoir témoigné que ce qui s'était passé, il est vrai qu'il y avait des erreurs, il est vrai qu'il y avait des gens qui ont cru à un idéal qu'on leur a fait miroiter, mais il y avait aussi des militaires aujourd'hui. Moi je dis à ces militaires qui sont sortis dans la rue et d'ailleurs à tout le reste de la société, parce que les problèmes sociaux sont d'abord des problèmes politiques avant qu'ils soient des problèmes sociaux. On vient de sortir du gaspillage de 1000 milliards alors qu'on peut prendre, on peut changer le pays. Pourquoi? Parce que dans la philosophie politique de ceux qui nous gouvernent, il y a
une simple chose, mater la société. Si on n'arrive pas à la mater, il faut l'acheter. Si on n'arrive pas à l'acheter, il faut la tuer. Et c'est ce qu'ils ont, ils font depuis maintenant, l'indépendance confisquée à aujourd'hui. Ceux qui sont sortis n'ont qu'à demander aujourd'hui les avoirs du général Nazar, du général Toufik, du général du commandement, de tous ceux qui font le commandement militaire aujourd'hui. Ils n'ont qu'à demander à combien est évaluée la richesse de la marée. Ils n'ont qu'à demander combien qu'ils en ont pour savoir justement cette disparité qu'il y a. Cette disparité qu'il y a entre ceux, à un certain moment, par bonne foi, ont cru défendre le pays. Je ne parle même pas de République. Le pays. Ont cru défendre une mémoire collective. Ont cru défendre un idéal. Ont cru défendre un rêve. Et c'est la suite du rêve de novembre 54. Parce qu'ils ont cru défendre ça. Et ça, c'est des gens honnêtes, sincères. Mais il y a parmi eux qui n'avaient absolument pas cette volonté de défendre ça, mais ils avaient simplement juste accès à des privilèges. Quand on a une arme, on a 10 armes à la maison, et que pour chaque arme, il y avait 40 000 dinars, et que ça faisait 400 000 dinars, qui pouvait refuser une telle opulence? Et certains se sont engouffrés, justement. Et c'est comme ça que le système a voulu, à un certain moment, se servir de ça, pour pouvoir élargir sa base sociale. Et élargir sa base sociale maintenant que la famille révolutionnaire commence à s'éteindre est l'objectif de la manipulation actuelle. Et qui ne dirait pas aujourd'hui que, encore une fois, les mains invisibles vont s'incruster pour pouvoir manipuler et régler leurs comptes? Mais maintenant, Saïd, qui n'ont plus les moyens de pouvoir acheter, comme vous venez de le décrire si bien, de telles masses, j'allais dire, de gens, comment ils vont faire? Bah, arrêter, jeter les gens après les avoir pressés comme des citrons? C'est ce qu'ils viennent de faire. C'est une preuve. Mater une manifestation, ne pas appeler au dialogue, bien que c'est dans l'ADN du pouvoir, est un signe avant-coureur à ceux qui vont suivre. Il n'y a pas que les anciens militaires, il n'y a pas que les miliciens ou les GLD, chacun les appelle comme il veut, il n'y a pas que d'autres corporations, mais le danger dans tout ça, c'est que le problème des militaires aujourd'hui, c'est le problème de l'Algérie. C'est le problème de tous les Algériens, c'est le problème des retraités, c'est le problème de tout le monde. Aboud et Hicham, avant que je ne vous pose, que je vous laisse plutôt vous exprimer sur cette question et sur les interventions de nos autres invités, est-ce que vous pouvez me dire comment ils font pour faire d'Alger une telle forteresse d'où toute manifestation est bannie? Aujourd'hui, par exemple, ils ont quasiment fermé la capitale. Mais ça, c'est prévisible, d'une part, et d'autre part, il n'y a pas que Alger qui est fermé à toute manifestation, c'est toute l'Algérie qui est fermée à toute manifestation. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Infala, souvenez-vous de ce qui s'est passé à Rdeya. Mais là où ça bouge, eh ben, ça casse, ça mate. Donc ça réprime. Donc moi je ne me pose pas du tout cette question, sachant que nous avons affaire à un régime policier. Regardez le nombre de policiers recrutés ces dernières années. Une ville a été construite pour servir de modèle, pour faire des simulations, hein, pour faire face à des émeutes, à des explosions sociales. Eh bien, cette ville qui a été construite a coûté quand même de l'argent. Et donc, la police se prépare toujours à mater toute manifestation populaire, toute Oui, mais Alger, c'est un peu particulier, Aboud Hicham. Bien sûr. Alger, vraiment, il est interdit de manifester. Oui, parce qu'à Alger, quand on manifeste, c'est toutes les délégations étrangères qui vont voir, c'est des agences de presse internationales, c'est des sièges de sociétés étrangères qui sont à Alger. Donc, dès qu'il y ait quelque chose, hein, le moindre bruit, ça fait un boom, et c'est le monde entier qui va en parler. Par contre, ailleurs, on peut étouffer dans l'œuf toute manifestation sans qu'on en entende parler à l'étranger. Donc, Alger, évidemment, elle reste toujours la ville la plus sécurisée et la plus où la répression est des plus rudes. Mais là, je dois dire que lorsque les policiers qui ont pour charge et pour mission de mater les manifestations populaires, ces policiers, lorsqu'ils sont sortis, manifestés et ont été jusqu'au siège de la présidence de la République, qui en a profité pour sortir et manifester et les soutenir au moins?
personne. Alors là, tout le monde se demandait qui est derrière, qui avait, qui est pour. Et les meneurs de cette manifestation de policiers ont été exclus des rangs de la police, malgré les promesses du général Hamel, ont été exclus un par un, sans que personne ne bouge, sans que personne ne leur manifeste la moindre solidarité. Eh bien, ils en ont eu pour leur grâce, ces pauvres policiers qui ont eu le courage d'organiser des manifestations pour, justement, eux aussi réclamer des droits. Eux aussi, ils réclamaient des droits sociaux. D'ailleurs, hier, j'avais dit avant-hier sur Maralébia en arabe, où j'avais dit, pourquoi ces militaires qui réclament leurs droits ne s'est pas associé aux policiers lorsqu'ils étaient sortis réclamer leurs droits. Pourquoi les retraités des autres secteurs aujourd'hui ne sortent-ils pas eux aussi réclamer leurs droits sociaux? Et voilà le problème. Et là, parce que lorsque tout le monde s'unit, lorsque tout le monde met la main dans la main, et à ce moment-là, on peut avoir raison de ce régime qui continue à ignorer, à maîtriser ces revendications. Justement, Abou Deschem, avec cet assèchement de la manne hydrocarbure, est-ce que tous les alliés naturels du régime d'abord, et puis derrière eux un peu toutes les catégories socio-professionnelles, ne vont-elles pas en arriver à la compréhension qu'il faut s'unir pour essayer d'obtenir ces droits, du moins de façon égalitaire? Vous savez, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent, qu'il n'y a plus... Écoutez, il y a quand même 30 à 40 milliards de dollars qui rentrent par année, hein. C'est pas la dèche. Moi, j'étais au Maroc, ils n'ont pas un centime de dollars qui rentre du pétrole. Eh bien, il y a tout un essor économique, il y a un développement, il y a des investissements. C'est pas sans pétrole, on va crever. Sans pétrole, on peut vivre. On a quand même des potentialités en tourisme, en agriculture. On peut faire plein de choses. Nous avons des cadres qui peuvent faire pas mal de choses. Donc, c'est pas une question de pétrole. Parce que dès que le prix du pétrole baisse, nous tombons dans le jeu du régime. Ah, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de ceci. Non, il y a de l'argent toujours. Et le régime peut encore satisfaire les besoins sociaux de toutes les couches sociales. Parce que ceux qui sont en haut, ils ont beaucoup pris. Je fais une petite comparaison. Entre ces militaires qui sortent réclamer leurs droits, l'amélioration de leurs conditions sociales, et les officiers supérieurs, par exemple un général, quand il sort à la retraite, il a sa villa, ses voitures, ses enfants sont bien logés, sont bien placés, et il a droit à plein d'avantages, dont 6 billets à toute destination étrangère, sauf la Chine et le Qatar, donc ils ont droit à 6 billets par année en première classe, accompagnés d'une personne, donc c'est-à-dire 2 billets gratuits, donc 12 billets par an. Alors qu'un Jundi ou un sous-officier, pour voyager, il doit casquer de sa poche. Et un officier subalterne n'a droit qu'à 50% en classe économique. Voyez-vous, donc plus on monte dans l'énergie, plus la disparité s'aggrave. Donc, il suffit d'enlever un petit peu à ces nantis qui en ont beaucoup pris, pour donner un petit peu. Vous n'y pensez pas, Abou Deschem, ils ne vont pas se priver. Restez avec nous, je reviens à vous dans un petit moment. Amira Bouraoui. Amira. Allô? Amira Bouraoui. Oui, je vous entends. On nous dit qu'Alger a été littéralement fermé à cause de cette manifestation. Et est-ce que ça va être toujours comme ça à chaque fois qu'une manifestation se profile à l'horizon, qu'on ferme carrément la capitale et avec tout ce que cela suppose comme gêne pour les commerçants, pour la circulation, pour les habitants? De mon expérience à moi, depuis 2011, quand on était sorti, on trouvait des milliers déjà de policiers. Et ça a toujours été le cas. En 2011, quand on était sorti pour l'abrogation d'état d'urgence, en 2014 contre le quatrième mandat, c'était pareil. Donc c'est la cité interdite effectivement, et on n'a pas le droit. Le citoyen n'a pas le droit de manifester. Il a le droit. On a le droit au folklore. D'ailleurs, je l'avais écrit, ça, que on a le droit à la journée du Haïk. Tout ce qui est folklore est autorisé. Alger,
on n'a plus le droit de quoi que ce soit, de d'utiliser son droit de citoyen et de défendre que ce soit politique ou sociaux ou revendications autres, c'est complètement interdit. Oui, ça a été barricadé, ça a entraîné des bouchons énormes. Les autres citoyens sont restés dans les bouchons pendant des heures. Il y a des gens qui ont perdu connaissance. C'était une journée où il faisait très très chaud. Donc en fait, on remonte aussi des Algériens contre d'autres, parce que certains commençaient à râler qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils manifestent, etc. Il y a un manque de solidarité, comme vous le savez, et comme le disait votre invité, c'est vrai que si on avait, moi ce que je disais déjà depuis plusieurs années, en fait c'est la tête de la pieuvre qui est malade, et taper sur des tentacules ou essayer de les arranger ou essayer, ne donnera absolument rien. Quand la tête est malade, c'est la tête qu'il faut changer. Amira Bouraoui. Pourquoi est-ce que nous sommes tous enfermés dans des logiques, j'allais dire, plus que corporatistes, dans des logiques égotiques, où chacun se dit non, non, c'est ma catégorie à moi qui doit être ménagée, qui doit avoir tel privilège, et dès qu'elle les obtient, c'est fini, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pourquoi est-ce que le temps ne doit-il pas venir pour que tout le monde s'unissent pour réclamer des droits élémentaires? Par exemple, quand on sait la situation des handicapés, des personnes en situation de handicap qui touchent 4000 dinars par mois, 20 euros par mois, y compris ceux qui ont des familles, et dont personne ne parle parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'organiser et de manifester comme manifestent les militaires ou les GLD. Pourquoi ne pas aller vers une démarche plus englobante ou pour demander les droits de tout le monde? Moi, je suis pour une démarche beaucoup plus radicale, je dirais, bien sûr pacifique, mais clairement celle de la rupture avec ce régime-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, longtemps, et tant qu'il avait de l'argent, il voulait à chaque fois que chaque corporation, c'est-à-dire, il aimait bien en fait quand ça manifestait pour des droits, pour des droits sociaux, de salaire, etc. Parce qu'il arrivait à y répondre de temps en temps, et donc il laissait faire. Mais c'était attention, pas de discours politique. Il fallait pas que ça se politise. Et à chaque fois, on essayait d'expliquer en fait que la maladie, elle est avant tout politique. Parce que quand il n'y a pas d'état de droit, il ne peut pas y avoir de justice sociale. Et on a beau aujourd'hui calmer telle corporation, il y en aura une autre qui va se réveiller, etc., alors que le problème va perdurer. Parce que même si on leur augmente aujourd'hui les retraites, et j'espère quand même qu'on va le faire, il se trouve qu'on va rapidement être rattrapé par l'inflation. Et les augmentations donc, n'auront aucun sens. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, on est encore complètement dépendant des hydrocarbures. Votre invité disait tout à l'heure, oui, mais il y a d'autres manières, etc. Le Maroc, ça fait longtemps qu'il travaille, le Maroc, sur ça. Et nous, on a dépensé 800 milliards de dollars, mais on n'a pas investi pour l'indépendance des hydrocarbures. On est dépendant, c'est-à-dire qu'on est un pays plus ou moins stable. Et c'est une stabilité précaire. Tant que le baril de pétrole, il s'efface, et dès que le baril chute, on devient un pays instable. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et là, on va droit dans le mur parce que tous les indicateurs sont au rouge. Merci, Amira Bouraoui. C'est réellement la crise. Merci à vous. Restez merci avec beaucoup. Nous jusqu'à la fin de l'émission. Saïd Aknin, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Amira Bouraoui est en train de nous dire que même si ça se règle d'une certaine façon, d'une façon relative, quand les augmentations prennent, pour reprendre la formule, quand les augmentations prennent l'ascenseur, les prix prennent l'escalier, exactement, les prix prennent l'ascenseur. Donc ça veut dire que nous allons de toutes les façons vers le clash quasi généralisé. Bah, Jamel Dine, ça c'est la logique inflationniste et ça c'est le cercle vicieux de l'économie. C'est une évidence, une palissade, une minute avant de mourir, il ne respirait encore. Mais nous sommes dans une situation aujourd'hui, quand je vois toutes les manifestations qu'il y a, ce qu'il y a lieu d'éviter, c'est de maintenir le débat dans l'espace militaire, l'espace clos militaire. C'est-à-dire, cycliquement, nous assistons à manifestations des policiers qui se disent pourquoi que les autres ne nous ont pas soutenus. Manifestations des GLD qui se disent mais pourquoi que les autres ne nous ont pas soutenus. Aujourd'hui, c'est les militaires.
paraît-il, parmi eux, il y a des anciens du vice, comme, du fils, comme s'il fallait encore une fois nous enfermer dans la logique binaire militaire et islamiste pour nous empêcher justement d'y aller vers une dynamique citoyenne. Aujourd'hui, c'est quoi la situation? Il y a une situation d'un régime illégitime, d'un peuple damné. Il n'y a pas d'autre logique que celle consistant à construire des synergies nouvelles qui vont y aller vers la métamorphose démocratique. Dans quel sens? Dans le sens où aujourd'hui, on doit, les uns et les autres doivent se revenir à la raison en se disant que le problème est d'abord politique, bien qu'on peut poser des revendications sociales. Le problème politique, il se situe à quel niveau? C'est qu'il y a un pouvoir illégitime qui a spolié le pays, qui a spolié la légitimité, qui a spolié la souveraineté, qui a spolié les institutions, qui a spolié le drapeau, qui a volé tout à ce pays, qui s'enrichit davantage et qui n'a qu'un seul intérêt de se maintenir au pouvoir. Et en face, il y a un peuple qui s'appauvrit davantage, qui vit la misère davantage et qui va encore une fois être touché par toutes les retombées néfastes sur l'économie du pays. La seule chose qu'il y a, c'est de s'organiser d'une façon citoyenne et pacifique pour pouvoir, nous l'avons fait, et ils l'ont prouvé, et là, ils ont donné une gifle à ce pouvoir lors des législatives passées. Aujourd'hui, ils font tout pour créer mille et une diversions pour que cette dynamique ne se transforme pas en synergie de construction. Et cette synergie, elle va opérer un jour ou l'autre, et l'espoir est permis. Merci. Aboud Hicham, Saïd Akhlin vient de nous dire que le problème est d'abord politique et que nous devons aller vers une dynamique citoyenne. Et vous-même, qu'est-ce que vous en pensez, Aboud Hicham? Est-ce que nous pouvons aller vers un vrai consensus pour aller vers une vraie transition démocratique ou devons-nous attendre le grand chambardement? Quel consensus? Et avec qui faire le consensus? Et quel chambardement? C'est-à-dire le problème qui se pose aujourd'hui, des partis politiques n'arrivent plus à mobiliser. J'aimerais bien voir un seul parti politique pouvoir faire sortir au moins 2000 personnes dans Alger ou ailleurs. Par exemple, quand on dit que Alger est fermé aux manifestants qui ces militaires. Dans Alger, il n'y a personne. On ne peut pas rassembler 2000, 3000 personnes pour manifester et réclamer aussi des droits sociaux. Où sont passés les partis politiques pour encadrer justement ces manifestants? Où sont passés ces partis pour organiser des manifestations sociales, politiques, tout ce qu'ils veulent? Que font ces partis politiques pour pouvoir sensibiliser les populations pour réclamer leurs droits? Eh bien, le problème là, vous parlez de consensus. Avec qui faire le consensus? Avec le pouvoir? Le pouvoir, il fait cavalier seul, il ignore tout, et il ferme les yeux et les oreilles, il continue, et il se contente d'une Assemblée nationale élue par 37% de participation avec la complicité de certains partis politiques qui acceptent de siéger dans une Assemblée croupion. Et ce pouvoir passant, il s'en fout éperdument de ce peuple. Il ne cherche pas de consensus. Bien avant que vous m'en parliez, il y a deux années de cela, il y avait quand même les partis politiques d'opposition qui s'étaient réunis à Zaralda et qui ont demandé au pouvoir d'assurer le transfert démocratique. Il les a complètement ignorés. Donc, où le changement viendra? Du peuple, il faudrait qu'il prenne conscience. Il ne faudrait plus voir des manifestations sectorielles. À les militaires qui manifestent tout seuls, les policiers qui manifestent tout seuls, les GRD qui manifestent tout seuls. Les autres secteurs, je ne sais pas pourquoi ils ne manifestent pas. Paraît-il qu'ils sont bien. Il y a des gens qui disent que les Algériens ont un seul souci, c'est qui va remporter le championnat d'Espagne, le Real ou le Barça. Et ce n'est pas moi, ils attendent le Ramadan.
Voilà, les Algériens, pardon, non, c'est faux. Les Algériens ont de gros soucis, les Algériens sont conscients, les Algériens ont besoin seulement d'un cadre pour les organiser. Dans toute société, dans tout pays, il faut qu'il y ait quand même un cadre, hein, pour organiser, pour encadrer les populations. Merci. Pour revendiquer leurs droits les plus élémentaires, parce qu'en Algérie, on ne jouit même pas du droit le plus élémentaire, celui de manger à sa faim. Merci Aboud Hicham, merci Saïd Aknin, merci Amira Bouraoui, merci Mourad Tamallah. À comprendre tous nos invités qui disent à peu près la même chose, même s'ils n'ont pas le même angle de vision, en attendant que nous comprenions qu'il faut mettre fin à cette logique des Horaces et des Curias. Je vous dis barakallahu fikoum, merci d'avoir suivi cette émission.